Bien le bonjour mes petits poules, pour aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo hommage sur le My Team de NBA 2K19 pour John Havlicek qui nous a quitté dans la nuit de jeudi à vendredi. John Havlicek c'est l'une des plus grosses légendes de la franchise des Boston Celtics, il a quand même joué là-bas pendant 16 saisons, il a remporté 8 bagues avec cette franchise, il a été sélectionné 13 fois au All-Star Game, 13 fois consécutives en plus, il a joué par exemple avec Jojo White ou encore Bill Russell, bref c'est une des figures les plus marquantes de la franchise des Boston Celtics. Et je me suis dit qu'il serait sympa de faire une petite vidéo hommage à l'ami John Havlicek, comme ça vous permet aussi de découvrir sa carte sur le My Team. Donc comme vous pouvez voir, une carte Pink Diamond. John Havlicek était ailier, mais comme vous pouvez voir, sa taille c'était 1m96 et c'est très très petit comme ailier. Donc si jamais vous voulez prendre cette carte, je vous conseille vraiment de la mettre en poste 2, hein, pas non plus en poste 1. Autant être franc avec vous, cette carte franchement elle est pas terrible. Elle est pas très aimée dans le My Team. Moi je l'avais déjà essayé il y a très longtemps, j'avais plus ou moins bien aimé. Là je l'ai reprise exprès pour faire cette vidéo. Il aurait été sympa de la part de NBA 2K19 My Team de sortir peut-être, je sais pas, une petite carte hommage, une nouvelle carte Pink Diamond. Mais voilà, c'est quand même une grosse légende, hein. Faut bien comprendre les gens quand même que c'est une grosse légende du basket qui nous a quitté il y a quelques jours. Il a seulement 5 insignes en Hall of Fame. Il a défenseur intraitable, catch and shoot, sniper à mi-distance, marqueur infatigable et tir difficile, sachant quand même que c'était un bon petit sniper, l'ami John. Il manque vraiment quelques badges de shoot. On retrouve 14 insignes en or, portée infinie. Là, on va retrouver les badges classiques de shoot, portée infinie, sniper en profondeur, etc. C'est également un très bon défenseur. En fait, c'était un joueur vraiment complet. Hein, voilà, j'ai re-regardé des vidéos de lui, j'ai relu des articles sur lui. Tout le monde est unanime par rapport à ce qui pouvait être ce joueur, à ce que pouvait être ce joueur. Un joueur très complet, notamment très endurant. Hein. C'est quelqu'un qui a quasiment jamais été blessé. Il a quand même joué 16 saisons de suite. Donc, on continue avec les badges. Un sniper en profondeur en or, costaud en or, pickpocket en or, pro de l'esquive, spécialiste du coin, en force, rebondeur efficace, l'insigne très utile pour ce style de carte, acrobate, tire dropper, finisseur implacable, pro du pick and roll et lanceur de compte. Au niveau des stats, pour John Havlicek, on peut retrouver par exemple au shoot en 3 points contestés, en tir enchaîné à 3 points et en 3 points ouverts 95, même chose pour le mi-distance, donc c'est un excellent shooter. En défense, comme je vous le disais, c'était un excellent défenseur. Donc en contestation de tir, il a 95 et en interception 90, sachant qu'il a les badges en or qui vont avec. Ça reste effectivement très efficace défensivement. Pour lui rendre hommage, qu'est-ce que je pouvais faire? Je me suis dit, tiens, eh bien, je vais essayer de recréer l'équipe des Celtics avec laquelle il a pu jouer. Ce n'est malheureusement pas possible dans le My Team car tous les joueurs qui étaient présents à l'époque où il jouait ne sont pas disponibles dans le My Team. Par contre, ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai recréé donc un 5 majeur avec uniquement des joueurs qui ont joué avec John Havlicek. On va commencer par le poste de meneur de jeu avec Jojo White. Alors Jojo White, ça ne sert strictement à rien de le chercher dans les enchères car il n'est pas disponible dans les enchères. C'est une récompense que l'on obtient avec les jetons. Il vaut 150 jetons. Sachez bien que uniquement pour cette vidéo, j'ai été chercher Jojo White et donc j'ai claqué 150 tokens pour un joueur que je n'utiliserai certainement plus après la vidéo. Mais bon, c'est pour la collection. On a Jojo Blanc, on est content. Sam Jones, avec qui il a pas mal joué également, il me semble. Donc Sam Jones en poste derrière, en poste d'ailier John Havlicek, Tom Henson en poste d'ailier fort, très bonne carte Ruby. Enfin là vous voyez qu'elle est en améthyste, je vais vous expliquer après. Et donc en pivot évidemment Bill Russell. Déjà vous pouvez constater qu'il y a donc que Sam Jones et Tom Henson sont en carte Joe, car Tom Henson n'est pas une carte diamant mais une carte améthyste à la base, et Tom Henson n'est pas une carte améthyste mais une carte Ruby. Ensuite sur le banc on a l'ami Bob Cousy avec qui, si je dis pas de bêtises, il aurait joué qu'une seule saison. Ensuite, Nate Archibald, Larry Bird, il n'a pas joué avec John Havlicek. J'ai essayé de mettre des joueurs qui ont joué pas longtemps après. Kevin McCall, même chose. Robert Parrish, Tom Sanders. Par contre, Tom Sanders, c'est un joueur qui a joué avec John Havlicek. Dennis Johnson. Et enfin, pour clôturer cette équipe, Danny Ainge. Vous pouvez également constater que sur le banc, j'ai deux cartes audio, Larry Bird et Kevin McCall. Donc Larry Bird, c'est une carte diamant à la base, qui prend quelques bonus. Mais Kevin McCall, c'est une carte diamant qui passe donc en pink diamant, car elle prend également quelques bonus. Je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo que si vous vouliez jouer avec John Havlicek, il ne fallait pas jouer avec lui en poste d'ailier. Je vais tout de suite vous montrer vraiment quel est mon véritable 5 majeur quand je joue avec cette équipe. John Havlicek, je le passe évidemment en poste 2. En poste 3, sans surprise, je mets l'ami Larry Bird. Ensuite, en poste 4, je mets l'ami Bill Russell. Car Bill Russell, certes, c'est un pivot, mais Bill Russell ne mesure simplement que 2m8 et donc peut largement jouer au poste d'ailier fort. En termes de pivot, évidemment, je ne mets pas Tom Henson. Je mets l'ami Robert Parrish. Ça, c'est un 5 qui est pour le coup vraiment compétitif. Hein. Jojo White, John Havlicek, Larry Bird, Bill Russell, Robert Parrish. C'est le 5 le plus, on va dire, le plus efficace avec l'équipe que j'ai créée pour rendre hommage
à John Havlicek. Évidemment, pour faire les choses bien, j'ai mis le logo de l'époque, les maillots de l'époque, le parquet de l'époque. On se retrouve donc pour un match avec cette équipe hommage à John Havlicek, cette équipe 100% Celtics bien évidemment. Et en face de nous, on va retrouver Infamous Black TTV avec Stephen Curry à la main, J.R. Smith, la nouvelle carte, très bonne carte par ailleurs, diamant de J.R. Smith au poste 2, Kevin Durant, une carte, une vraie valeur sûre cette carte-là au poste 3, Draymond Green, améthyste, une carte vraiment valeur sûre également au poste 4 et au poste 5, Dwight Howard. Dans ma dernière vidéo, vous avez pu voir de quoi est capable cette carte. On joue sur le parquet des Golden State Warriors, une équipe que je n'aime pas trop, donc c'est très bien, ça me motive. Allez, entre deux, entre Bill Russell et Dwight Howard, gagné par Dwight Howard. C'est parti. Allez, Jojo White face à Steph Curry. Déjà, a priori, il n'y a pas de off-ball. Hop, hop, on passe et on y va. On va chercher la faute peut-être. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait. Faut pas qu'il rate ses deux premiers lancers francs, faut se mettre dans le match directement. Jojo White, hein, une carte qu'on peut avoir, je le rappelle, avec des jetons, que j'ai un petit peu testé et qui est vraiment pas mal du tout. Là, j'ai pas mis le 5, comme je vous disais, le meilleur 5 possible. Allez, rebond. Rebond de Jojo White, magnifique. Jojo White, John Havlicek, catch and shoot, et Green. Je rappelle que c'est son match, on lui rend hommage dans ce match pour John Havlicek, décédé la semaine dernière. Attention à ne pas laisser Steph Curry trop avoir de l'espace. Il cherche beaucoup de positions pour J.R. Smith à 3 points ou pour Steph Curry. C'est vrai qu'il y a des gros snipers en face également. Allez, écran de Bill Russell. Écran bien pris, on switch, voilà, allez c'est fini, bam! Je peux d'ores et déjà vous dire que si je fais un bon match avec Jojo White, ça va grandement m'aider pour la suite. Ah là là là, ça faut absolument que je contre ça. Sam Jones qui est une véritable gâchette également dans le My Team. Ça peut rentrer peut-être. Ouais, magnifique 3 points de Sam Jones qui a bien profité de l'écran de Bill Russell, qui s'est bien caché derrière l'écran de Bill Russell, devrais-je dire. Allez, Jojo White, magnifique. On va faire un petit système pardon, pour Sam Jones. Allez, ce serait bien que le système se mette en route là. Je ne vais pas rester 3 quarts d'heure comme ça, moi. Hop, hop. Allez, Sam Jones. Ah, c'est ça, bon système, ça devrait rentrer. Voilà, magnifique, Sam Jones. Je vous l'ai dit, grosse gâchette en plus. Il est en carte duo, donc forcément, il y a du bonus. Allez, la rentrée de Bob Cousy, de Larry Bird et de Robert Parrish. Je laisse sur le parquet John Havlicek et Bill Russell pour l'instant. Allez, Bob Cousy, très bonne carte également que j'aime beaucoup. Il va falloir qu'il me fasse de bonnes choses. Oh là là, c'était pas vraiment ce que je cherchais. Ça, par contre, c'est une bonne position, mais trop tard. Timing beaucoup trop tard. Bon rebond de Larry Bird. Allez. Ah, c'est Bill Russell, j'avais pas vu. Encore un rebond magnifique de Robert Parrish. Ça, par contre, ça doit rentrer. Oh là 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 là, on prend tous les rebonds. Allez, on y va ce coup-ci, on verra bien ce qui se passe. Là, oh là là, l'adresse n'est pas là. Mais la combativité est là sous l'arceau. Et c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'on aime les Celtics. 18-16 à la fin de ce premier carton pour notre équipe hommage à John Havlicek. Une équipe 100% Celtics. On va reposer Bill Russell et on va faire rentrer Kevin McHale sur le parquet. Allez, on va demander un petit écran encore une fois de Robert Parrish. Ça passe bien. Oh là 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 là. Hop, et elle saute. Voilà, très bien. Et non. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Magnifique action de Bob Cousy. Je laisse toujours un petit peu de John encore sur le parquet. C'est son match. 3 points pour l'instant pour John Havlicek. Allez, il faut bien défendre sur Kobe. Très bonne défense de John Havlicek. Je vous l'ai dit, c'est une bonne carte défensive, mais ça ne suffit pas. C'est dingue. Incroyable. Kevin McHale face à Kevin Love. Duel de Kevin. Hop, on s'arrête là. Petit drop step de Kevin McHale. Magnifique. Bien joué de la part de Kevin McHale. C'est pas évident face à l'envergure que peut avoir un Kevin Love. Mais écoutez, on en profite. Ça. Allez. Allez, Bob Cousy, il faut te réveiller, là, l'ami Bob, parce que franchement, tu nous fais un match catastrophique. Allez, Danny Henge tout seul. Allez, Danny Henge, tu peux pas nous rater ça. Voilà, Danny Henge, grosse gâchette. Et ça nous fait du bien. On prend 2 points d'avance. Allez, Bob Cousy sur Steph Curry. Bob Cousy sur Steph Curry. Allez, 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 mon petit Bob. Voilà, mon Bob. C'est ça, mon Bob. C'est ça qu'on veut, mon Bob. C'est ça. Allez, allez. Attends. Hop. Kevin McHale. Face à Draymond Green. Larry Bird, allez, faut que ça saute. Voilà, magnifique, c'est exactement ce qu'on voulait. Allez, fin de cette première mi-temps. Nous sommes devant, c'est dur, on va pas se mentir, c'est dur hein, avec cette équipe, mais on fait comme on peut. Allez, allez, Jojo White, on y va. Bill Russell, faut ressortir, voilà, pour John Havlicek. Oh, c'est pas vrai, John. C'est ton match hommage, il est pour toi, ce match. Je me suis ruiné pour toi dans le My Team, s'il te plaît, sors-nous un gros match, John. Allez, John. C'est maintenant, John. C'est pour toi, John. Ah là, allez, ça, faut le mettre. Oui, 3 points de John Havlicek, enfin. Enfin, c'est son deuxième. 6 points pour John. Allez, allez. Rebond pour Bill Russell. Toujours 3 points d'avance pour notre équipe.
Ah là là, on la récupère, heureusement. Heureusement qu'on la récupère, cette balle. Allez, on va faire une demande d'écran pour sur Tomlinson. Bill Russell. Boum! Bien joué. Très belle action de la part des Seas. Et très belle finition de la part de Bill Russell. Ça, ça rentre. On a laissé un peu d'espace à Steph. Forcément, ça rentre. Retour à la main de Bob Cousy, qui nous a vraiment raté beaucoup de shoots ce soir. Allez, Larry Bird, hauteur de 4 points. Larry Bird, il y va. Allez, magnifique passe de Larry Bird pour Papy Parrish. 4 points d'avance. Oh, attention, ça risque de faire mal s'il y va. Magnifique move de Russell Westbrook. Kevin McCall n'a servi strictement à rien. Allez. Allez, on y va. Ça, c'est pas mal du tout. Rebond de Robert Parrish. Magnifique Robert Parrish. Ah ouais, lui, il nous apporte de la taille et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment une équipe un petit peu small ball que nous avons. Ah non, une position toute ouverte pour Kevin Love. Oh, buzzer. Incroyable. Quelle erreur défensive. Il revient à un point à l'entame du quatrième quart-temps. Ce 3 points de Kevin Love fait extrêmement de mal, mais bien joué. Bien joué de sa part, mal joué de la mienne. Il va falloir s'accrocher vraiment jusqu'au bout dans ce match. Moins 2 points. Ça devient très difficile, ce match. Allez, Bob Cousy, il faut se sortir les doigts, Bob Cousy. Allez, magnifique. Allez, il faut que ça saute. Voilà, magnifique. Tout dans la malice pour l'ami Bob Cousy. Tout dans la malice. Larry Bird qui va demander un écran. On va essayer quelque chose qui préfère mal à l'adversaire. S'il le met, ça fait vraiment mal à l'adversaire. Magnifique 3 points de Larry. Isolation de Westbrook sur Bob Cousy. Écran de Kevin Love. Allez, faut sauter, faut tout donner, Bob Cousy. Dommage. Un point de retard. Allez, on repart sur notre tactique d'isolation de Jojo White sur Steph Curry. Et on va chercher la faute ce coup-ci, et on l'obtient. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Allez, Jojo, il faut marquer les deux, par contre, sinon, ça ne sert à rien. Bien joué. Grosse défense de Sam Jones, grosse défense de Robert Parrish. Il prend pas le rebond, ce rebond il était tellement important. Oh là 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 là, Dwight Howard fait mal et on va se prendre à 3 points de Steph Curry juste derrière. Aïe. Les rebonds, on se manque de taille. Écran de Robert Parrish pour John Havlicek. Allez, faut le mettre celui-là. Il le met, John Havlicek, il le met, il veut gagner son match. Allez, plus un point. Ah, il faut une grosse défense de Jojo White là, sur Steph Curry. Ouh! Il la récupère malheureusement. Allez, faut continuer défensivement. Jojo White aura vraiment bouffé Steph Curry dans ce match. Ça, par contre... Oh là, mais par où il passe? C'est n'importe quoi. Comment peut-il passer comme ça, Jojo White? Magnifique passe pour Robert Parrish. Voilà, ça c'est un classique. Allez, grosse défense toujours, je me répète. Mais il faut vraiment que Jojo White empêche Steph Curry de marquer. Oh, le contre, on est en train de tuer notre adversaire. Il reste 21 secondes. Balle à Jojo White directement. Allez. Venez faire faute. Voilà. Attention, c'est pas fini. 5 points, c'est rien. S'il marque celui-là, imaginons. 2 points d'avance. Beaucoup de pression, plus 3 points. Allez, il faut repasser à 2 possessions d'avance. C'est bon. Allez, c'est pas fini. 13 secondes, 4 points. Il faut pas se prendre de 3 points. Surtout pas de 3 points. Faut de la grosse défense, là. Faut de la grosse défense. Il va forcer, c'est normal. Allez, Jojo White, qui aura vraiment fait un match extraordinaire. Vraiment, que ce soit en attaque ou en défense, Jojo White, pour moi, c'est le MVP du match. Match remporté, les copains. Nous avons gagné ce match. Ça aura vraiment été Jojo White et Robert Parrish qui m'auront fait gagner ce match, notamment sur la défense. Et voilà, mes petits poulpes, j'espère que cette vidéo hommage à John Havlicek, eh bien, vous aura plu. C'est vrai que je n'ai pas trop joué avec John Havlicek, mais quand même, il plante 7, 8, 9 points, je ne sais plus. Il a été très fort défensivement. Donc, respect à John Havlicek, que son âme désormais repose en paix. Moi, j'espère vraiment que cette vidéo, eh bien, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à la partager, à laisser des commentaires. Bref, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour de prochains lives sur Twitch et pour de prochaines vidéos sur YouTube. Prenez soin de vous, mes poules. Ciao, bye bye.